Voilà, salut à tous, c'est Tio Tonton. Alors on reprend là où on en était la dernière fois. Donc on va alors voilà. Donc on est au carnivore de niveau 2. On va se diriger vers le niveau 3. Donc il y a 150 points nécessaires. Donc on en a pour pas loin de 2 heures. Enfin plus de 2 heures d'ailleurs. Donc là on va essayer de jouer finement. Il faut absolument trouver de la viande. Si on trouve pas de viande, on va mourir de faim. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles sur ce serveur, a priori. Donc on risque fortement de se faire attaquer par les autres carnivores. Donc c'est à nous de gérer. Ça appelle juste à côté, donc on va rester caché pour le moment. Voilà, j'ai un peu baissé le son du jeu encore. Mais bon, malheureusement, on entendra le bruit des pas du dino. Hein. C'est un des sons les plus proches. Et j'ai pas trop le choix parce qu'à un moment, il faut quand même que j'entende les éventuels autres dinos s'approcher. On va aller par là. Hein. On va se déplacer par là. Je sais pas s'il y a de l'herbivore pas loin. J'en vois pas. Je vois pas grand chose autour, donc a priori il n'y a pas l'air d'y avoir trop de dinos. D'accord, donc là j'ai quand même trouvé du gros dino. Il vient droit sur moi. En fait, je pense que lui, il a décidé de se faire un plus petit dino que lui. Ouais, il en est après moi, on va se barrer. On va même pas se faire manger tout de suite, hein. Alors, il est où? J'ai pas de bol parce qu'il tolère l'autre là à côté et... Ah merde, ouais, ils ont une proie quoi. Il regarde bien dans ma direction le machin. Ah, faut vraiment pas avoir de bol, tomber sur un T-Rex quoi. Il vient vers moi, donc ouais, ils viennent à deux, donc on va se barrer. Ils ont vraiment décidé de me sortir. Donc on va se barrer. Hop, entre ses pattes, on se barre, il va nous bouffer. Ça pue grave. Je vous dis, ça pue vraiment grave. Parce qu'en plus ils sont deux.
Ah ouais, j'en ai un autre au cul encore. Allez hop, une zone plate. Hop. Ah putain, ouais, tu parles, il ne lâche pas. Hein. Faut espérer, c'est que j'ai plus d'endurance que lui. On va raser le bord, avec un peu de bol, il va se casser la gueule. Qu'est-ce que ça dit derrière? OMG, hein, putain. Ah là, j'ai failli y passer quand même. Hein. Et ouais, ils sont deux, hein, donc pas trop le choix. Bon, on va se barrer de là, c'est pas la peine d'insister, parce que de toute façon, c'est à moitié un cul-de-sac, et puis ils nous laisseront pas passer. Hein. Là, on a failli finir en steak. Hein. Ah non, mais c'est entraide, hein, franchement. Allez, on va se barrer par là. Là, ça pue, hein, parce que là, on est. Je pense qu'il y a beaucoup de carnivores, à mon avis. Donc, je pense que c'est chacun pour sa peau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à becter? Un petit herbivore, ça serait pas du luxe. Hein. On a là. Pas grand chose. Là, j'ai vraiment failli finir en steak pour T-Rex. Hein. Ils m'ont voulu à moi. Hein. Il y avait vraiment décrété qu'il allait me becter. J'étais juste venu regarder, hein, je me doutais même pas qu'ils avaient une proie. Ou... Oh putain. Un raptor. C'était un raptor qui était plus gros que le mien. Donc on va pas trop jouer avec. A priori, ils jouent en groupe les deux là, donc le T-Rex et puis le. Ah, le deuxième, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être dans la lignée du Baryonyx, je pense. Pour aller vers le Spino. Mais bon. On va essayer de boire vite fait. Oh là là, la fin. Là, un truc qui serait énorme, c'est que le T-Rex se fasse blesser à mort et que je puisse me repaître de son cadavre. Ce serait formidable, mais bon. Il faudrait malheureusement qu'il y ait un tricé qui passe par là et même avec un tricé, mec, il a intérêt à être plutôt bon. Hein. Voilà, on va rester sur l'autoroute des Buissons. Appel au-dessus. A priori, j'en vois pas. Moi, je vois rien bouger là. Je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Et c'est là qu'on arrive sur un des problèmes du jeu, hein. C'est que on ne sait pas ce qu'il y a sur le serveur, on sait le nombre de personnes, mais on ne sait pas ce qu'ils jouent. Et ils peuvent même être éventuellement en attente de lancement. C'est-à-dire que s'ils sont sur le serveur mais qu'ils n'ont pas encore sélectionné leur dino, on peut pas le deviner quoi. Donc c'est un peu problématique parce que du coup on ne sait pas si jouer carnivore c'est intéressant ou pas, si il vaut mieux déco et attendre un peu que d'autres dinosaures se connectent, parce que là,
C'est un peu désert. Essayer de grimper là, ouais, ça passe. Alors. De toute façon, là-bas, il n'y a rien de bon. Il y a les deux T-Rex, enfin les deux gros dinos, et ils me font pas de cadeau. Par ici, il y a un raptor qui est passé, mais il est peut-être pas forcément agressif. Je vois rien. Et là, je suis vraiment très petit, hein. Là, je suis de la chair à pâté pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je vois rien. Je suis à combien de points? 12. Il m'en faut 150 si mes souvenirs sont bons. Ça fait 12 minutes que je survis. C'est déjà un exploit. Hein. On a échappé au T-Rex. Si on entend quelque chose. Un gros herbivore, ça, souvent ça cache un petit. Parce que les herbivores, ils jouent quand même plus horde. Donc du coup, on a souvent tendance à en trouver des plus petits avec les gros. Les carnivores, c'est déjà plus compliqué, hein, parce que quand on se fait recevoir comme ça. Je vois rien du tout. Gros dino par là. Allez, on va aller voir. De toute façon, on n'a pas le choix, on a que ça à faire. Hein. Si on ne va pas manger, on meurt. Et là, ce gros dino, il appelle. Donc, on a une chance qu'il ait fait venir des plus petits que lui ou que des petits essayent de le rejoindre. Donc, pour moi, c'était assez loin dans cette direction-là. On va voir. Alors là, ils vont nous rajouter les genres. On va être mâle ou femelle. Ça aurait été bien aussi, un Dilophosaure. Pouvoir être pas trop gros, mais pouvoir éventuellement aveugler l'adversaire. Ça aurait pu être un truc un peu sympa. Enfin bon, le jeu est jeune, hein, il y a encore du temps. Ils vont peut-être nous en rajouter plein. Parce qu'il y a de quoi faire hein, dans les dinos. Et une IA serait pas mal quand même, avoir quelques dinos. On va appeler ça des dinos proies. Ça serait pas con, parce que là on est quand même vachement limité. Et se balader dans des espaces vides, c'est quand même pas pratique. Là-bas j'ai trouvé des fleurs. On va aller inspecter ça quand même. Hop, accroupi. Pas l'air d'y avoir grand monde qui va vers les fleurs. On va aller voir par là avec un peu de bol. Ça c'est du raptor. C'est plus fin que j'ai là, c'est très fin.
ma droite ou ça peut être sur ma gauche? Bonne question. Aucun son. Il y a de l'eau, je crois. Donc on va aller boire un coup vite fait. Ah, c'est le marais. J'arrive au marais. Par ici, on va voir si on arrive à voir quelque chose. Je vois rien dans le marais, alors s'il y a des petits dinos, je pourrais malheureusement pas les voir. On va essayer de contourner ici. Je vais aller voir du côté du lac. Si je me trompe pas, le lac est par là. Qu'est-ce que j'ai là? Je commence à avoir vraiment très faim. Je me souviens plus si c'est par là. Par là. Alors on va voir si c'est de l'autre côté de la montagne ou pas. Celui qui a appelé, c'est un gros de toute façon, hein. C'est du gros dino, donc on va bien galérer à le tuer, c'est pour ainsi dire impossible d'ailleurs. Et là on mise tout sur la présence éventuellement d'une proie à côté, mais ça va être compliqué. Je suis à peu près à moitié en faim. Je ne vois rien du tout à l'horizon. On va passer là, on va voir hein, si on arrive à trouver quelque chose, mais pour l'instant c'est mal barré hein, quand même. Une trace, il n'y a rien du tout. Un cri ou deux, ce serait pas du luxe.
essayer par là, on va voir. Hein. On est à 22 missions, 22 minutes de survie. Ça veut dire qu'au mieux, je vais monter à 40 minutes si je trouve pas à manger rapidement. Appel d'herbivore, ça serait impeccable. Et là, malheureusement, si je croise un raptor, je le tente, hein, j'ai pas le choix. Il faut que je mange. Mais donc là, on s'aperçoit hein, du problème du jeu au niveau de l'absence de l'IA, c'est compliqué. Quand il n'y a pas beaucoup de joueurs, comme c'est le cas aujourd'hui, et je pense que c'est un mauvais choix de serveur au départ, hein, parce que c'est un serveur, il y avait 60-70 personnes de connectées, et j'ai pas revu ce nombre-là de connectés. Hein. Donc du coup, là il devait y avoir une vingtaine de personnes quand je me suis connecté, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Là-bas, il y a des fleurs blanches, mais je ne vois pas de dino autour. On va les voir déjà. Ce sera toujours cette fée. Les fleurs blanches, très importantes pour les herbivores, elles permettent de récupérer 3 points de progression. Mais encore faut-il qu'ils sachent où les trouver. Et comme il n'y a plus de boussole, maintenant c'est très compliqué dans le jeu. Pour s'orienter sur la carte, c'est dur. Encore des fleurs blanches, mais pas de dino à l'horizon. De la hauteur, peut-être on arrivera à voir quelque chose bouger, mais une fois qu'on l'aura repéré, ça sera une bonne chose, mais après il faudra encore réussir à l'atteindre. Et la fin continue de descendre. Dommage. Donc du coup, je pense que c'est un cul-de-sac. Donc j'ai fait ça pour rien. Voilà, perte de temps et d'énergie. Donc faut que je reparte tout là-bas. C'est dommage, hein, parce qu'a priori, ça a l'air d'être ouvert. Hein, Ah, j'ai réussi à passer. Donc la lumière baisse. J'espère que je vais pas me retrouver bloqué là-dedans. Oh, impeccable. Bon, c'est juste un bug de collision à l'entrée. Alors... Toujours pas d'herbivore. Oh, la map est gigantesque, hein, mais
Enfin, c'est des gros animaux. Donc là, je trouve de la nourriture partout. Donc c'est embêtant parce que ça veut dire que s'ils sont passés les herbivores, c'était il y a longtemps. Ou sinon, c'est qu'ils sont pas dans le coin. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Rien. Par là. On va aller voir là-bas. Toujours pas d'herbivore. Par là. Donc là on est vraiment pris dans le côté négatif du jeu en fait, hein. C'est-à-dire pas croiser âmes qui vivent. Et c'est quand même compliqué. Là si le T-Rex m'avait accepté, ça aurait été impeccable. Parce qu'il aurait pu me nourrir pour récupérer en fait un autre gros prédateur, mais je vois absolument rien nulle part. Alors c'est pareil, hein, on peut très bien se diriger dans la bonne direction et quand on arrive à l'endroit où était le dino peut tout simplement avoir déconnecté parce que bah, il va manger ou il arrête de jouer ou pour n'importe quelle raison quoi. Hein, donc je vais quand même contrôler le nombre de joueurs là parce que je vois vraiment personne. Il y a une soixantaine de joueurs là quand même. Hein. C'est quand même pas de bol de croiser personne. Hein. Et le système d'odorat est très très mal fait parce qu'il il indique réellement la position exacte hein, d'une proie et non pas une direction générale dans laquelle on doit aller. Donc c'est problématique parce que si on active l'odorat sur le jeu, ben littéralement ça devient voilà, extrêmement facile de chasser et je dirais beaucoup trop facile de chasser. Par contre si on... Je me demande si là-bas j'ai pas vu quelque chose. Non, ça doit être le vent. Si on le on l'active pas, du coup on perd quand même quelque chose de très important pour l'orientation. Alors là on a encore un champ de fleurs mais ben, du coup ça veut dire que personne n'est venu en manger. Là, il y a peut-être bien un T-Rex. On va essayer de se cacher. Il se bastonne en fait. Donc là, j'ai peut-être une chance de pouvoir manger. La meilleure option pour moi, ce serait la mort du T-Rex. Parce que l'herbivore n'a absolument rien à faire d'une carcasse, et moi ça me permettrait de me nourrir. Par contre, faut pas que je m'approche trop parce que le T-Rex va changer de proie. S'il me voit, à mon avis, il va venir me charger moi. Voilà, je suis beaucoup moins dangereux
Alors, il y a un tricé. Il y a encore un tricé. Là, je vois deux petits dinosaures. 3, 4. Putain, il vient droit sur moi. J'ai vraiment pas de bol, hein. J'espère qu'il me voit pas parce que là, il me passe dessus. Hein. Ah bah. A priori, il est pas trop content. Alors, on a un tricé. Donc, un tricé, c'est 6000 ou 8000 points de vie. Le gros là-bas, c'est pareil, hein, c'est pété de points de vie. C'est les tout petits là qui peuvent éventuellement m'intéresser. Parce que là, les tricés et compagnie, je peux absolument rien faire. Hein, je dois mordre à 50 ou à 25. Donc, autant dire, c'est une rigolade. Ici. Ils sont deux, peut-être plus. Ah, des carnots. Ouais, donc là il y a trois petits carnivores, plus moi ça fait quatre, plus deux carnots, plus un T-Rex. Ça fait du monde, hein. Ça pour moi c'est des niveaux 1. Ah non, il se fout de ma gueule lui, eh. Je viens de prendre mon propre. Je sais bien que tu veux me tuer, mais c'est ma proie. Ah putain, bah oui, forcément. Ah, je suis obligé de me barrer, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à manger sur cette partie. C'est impossible. Deux carnots, un T-Rex. Rien pouvoir faire. Hein. On va s'accroupir. Il y a quelqu'un tout près. Par là-bas. Visuel. Dinosaure carnivore, donc je pense que ça craint parce que comme on a des lags. Ah, ah bah on saigne tous les deux. Voilà, bon ben on va arrêter là sur cette série parce que de toute façon elle se prête pas trop malheureusement à ce genre ben justement à faire une série. Je pense que je ferai peut-être des vidéos sur des parties que je ferai en groupe. Mais je pense que je vais pas faire de vidéos comme celle-là parce qu'on le voit bien, on est malheureusement pas. On est tributaire de ce qui se passe dans le jeu et là en l'occurrence il s'est rien passé quoi. Là pour moi c'est un gameplay absolument inintéressant. Donc je pense que je ferai plutôt peut-être des vidéos à l'occasion avec peut-être des amis. Et puis à ce moment-là, celles qui me paraîtront sympathiques, je vous les mettrai. Mais pour l'instant, là en l'état, je vais pas continuer cette série. Parce qu'elle n'aboutira à rien. En fait, hein, on le voit bien, voilà, là je
Je peux rien faire, on est, y a quasiment que des carnivores. Je maîtrise pas la map, hein, puisque il y a que des carnivores dessus. Il y a presque pas d'herbivores et le peu d'herbivores sont de très gros herbivores. Je trouve une proie, il y a tout de suite deux carnots et un T-Rex qui arrive et qui me la pique. Voilà, je serai mort de faim de toute façon dans quelques minutes de plus. Voilà, donc du coup, je vais vous abandonner sur cette partie-ci. Et puis, bah, on verra bien. Peut-être pour la suite, j'essaierai peut-être de vous faire d'autres vidéos sur ce jeu. Mais en tout cas, pas sous ce format-là. Pas sous le format d'un let's play. C'est a priori pas du tout adapté. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien. J'espère que bah, vous vous serez pas trop ennuyé. Parce que là, c'était quand même. Vide hein, en termes de contenu, et je pense que je vais vous préparer autre chose de plus intéressant parce que là ça le fera pas. Allez, en tout cas, bonne soirée, amusez-vous bien, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt, salut!